Merci de me rejoindre dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter un outil formidable que j'ai vraiment trouvé, SPEP, pour la gestion de tes leads sur Facebook. Donc, lorsque tu fais de la publicité de leads sur Facebook, il est important de sauvegarder ces data quelque part et pour ensuite recontacter le prospect dans le but de close, par exemple, une vente, une prospect. Bon, bref, peu importe. Donc, dans ta stratégie marketing, il est important d'avoir un bon CRM qui va te permettre d'être alerté instantanément lorsque quelqu'un soumet un lead. Donc, par exemple, il te contacte directement lorsque tu fais de la publicité sur Facebook. Donc, des Facebook leads, par exemple, peut-être le but c'est de récolter, par exemple, les dans le but, par exemple, de leur vendre tes services ou peut-être récupérer les adresses email leur ajouter directement dans ton autorépondeur pour pouvoir faire de l'email marketing. Donc, cela dépend de toi. Donc, ici, nous avons sur la page de Facebook un exemple de Facebook Lead. Donc, vous pouvez faire des leads avec des questions, prendre des rendez-vous ou soit demander le numéro de téléphone du prospect, son nom, son prénom et directement, bam, comme vous pouvez voir, comme cela. Donc, généralement, ce que les gens trouvent qui est un peu compliqué sur Internet, c'est comment gérer ces leads-là en fait, ou la sauvegarder, comment être alerté instantanément. Lorsqu'on fait une publicité sur Facebook, dans la publicité de leads, c'est pour ce faire. Donc, j'ai eu à regarder un peu sur Internet, j'ai trouvé cet outil de CRM. Donc, cet outil va te permettre, par exemple, d'être alerté instantanément lorsque les gens soumettent le formulaire de Facebook Leads. Donc, cet outil va te permettre de recevoir des notifications instantanées, par exemple sur Telegram, par exemple sur WhatsApp ou SMS ou message. Donc, cela dépend de toi. Donc, l'outil s'appelle Privy, si je prononce bien. Donc, c'est un outil de CRM. Grâce à l'outil, tu vas, par exemple, programmer des rendez-vous pour des clients, relancer les prospects et tout. Donc, c'est vraiment le couteau suisse, je dirais, pour le marketing de leads sur Internet et plus précisément en utilisant la plateforme de Facebook. Donc, nous allons un peu scroller. Donc, par exemple, une fois que tu auras créé ton compte, tu auras des alertes instantanées. Lorsque quelqu'un, par exemple, soumettra le formulaire sur Facebook, tu pourras directement recevoir donc les messages grâce à l'application ou un SMS sur ton téléphone comme cela. Possibilité par l'application, par exemple, de connecter avec d'autres outils, par exemple comme Zapier ou Pabli et autres pour faire de l'automatisation, ajouter dans tes listes email et tout. Donc, tu peux contacter directement le client grâce à l'application. Ça peut être par exemple pour pour du coaching, ça dépend de quel est ton secteur, donc et tant d'autres. Donc l'outil est vraiment formidable et ça nous prend jusqu'à quelques minutes pour pouvoir faire toutes les configurations. Il te suffit simplement de prendre ton compte gratuitement, ensuite aller connecter ton compte à Facebook et connecter tes différentes applications. Donc, si tu préfères recevoir des alertes instantanées sur Telegram, tu connectes directement Telegram ou message ou WhatsApp. Donc, cela dépend de toi. Donc, comme je l'ai dit, le coût c'est entièrement gratuit, mais nous allons par exemple regarder là. Gratuité est un peu limitée, donc au niveau des messages, au niveau des filtres du tracking, au niveau du lead, des contacts et de la gestion de tout ce qui est contact client. Donc, au niveau de la team, c'est également limité. Donc, avec la version Pro, donc qui coûte 22 $ chaque mois, tout est en illimité. Donc, 14 jours d'essai gratuit. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je laisse le lien dans la description de la vidéo. Donc, c'est un lien affilié. Si tu passes par mon lien, alors je toucherai des commissions. Ok, cela, ça serait simplement pour soutenir ma chaîne. Et ok, dans la prochaine vidéo, je vais faire une vidéo de démonstration comment utiliser l'outil, comment connecter les différents ressources et les applis et tout. Donc, je t'invite à t'abonner, à me laisser un petit pouce bleu pour ne manquer.
abonnement sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Ok, donc dans la prochaine vidéo, merci.